personne avec ton bobo neuf, ton chapeau bariolé, tes souliers éculés. Où vas-tu, paysan, loin de ton beau village où tu vivais en paix, près de tes caféiers? Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Où vas-tu, étudiant? En souhaitant que ceci ne soit que le début d'une très longue aventure qu'on aura le plaisir, j'ose espérer, de partager tous ensemble. Bon, j'avais préparé une présentation par vous garder le contact pour ceux qui ne pourront pas suivre au fur et à mesure que cela va parler, qui pourront se référer à ce qui va apparaître. Je crois qu'il n'y a pas personne dans cette salle qui est là juste pour utiliser. Auquel cas. Donc, dans cette école-là, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en électronique et l'ai obtenu en 2006. D'accord. 2006, c'était un peu le début de la crise de 2008. C'était très difficile en France. Donc, pendant un an, je cherchais de l'emploi en France. J'ai rien trouvé. J'avais aussi le bon maillot, c'est plus difficile qu'en étranger en France. Donc, j'ai eu une commission pour Portunis. J'ai regardé ce qui marchait bien en France. J'ai vu que l'informatique marchait très bien. Donc, donc, quand on parle de RPM, bon, c'est une information pour compléter l'histoire de Mato. Et dans mon RPM, déjà, elle ne comprend pas. Elle croit que c'est bon. Le RPM, c'est dire qu'on est Camerounais d'origine. On devient peut-être Canadien, selon le choix que vous faites. Et demain, et dans votre vie, vous avez l'opportunité aussi de faire des choses au Cameroun. Une vie meilleure. Super brillant là et vraiment tout à fait impressionnant. Et je vais essayer de faire court. Je recommande à tout le monde de persévérer et surtout que tu as dit à la fin je vais avoir ma résidence, mais je confie le système québécois là parce qu'ils ont pris trop d'argent. Donc après, pendant mes études, j'ai fait des petits jobs, je travaillais dans les manufactures. J'ai fait tellement d'affaires, centre d'appel, mais pour le côté. Côté organisateur de cette initiative qui me semble très opportune et indiquée pour nous qui arrivons ici et qui parfois ne savons pas comment se prendre vers le premier pas. J'ai des personnes qui m'appellent chaque jour, peut-être à travers que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'après, il y a beaucoup de réalités à l'intérieur. Mais je voudrais faire une parenthèse, puisque nous sommes là pour nous édifier les uns les autres. Peut-être ça peut rentrer dans le cadre des questions, mais je vais déjà anticiper. Pour dire quoi? Il ne faut pas que nous puissions avoir une façon que nous soyons limités dans notre perspective. C'est vrai, on est au Canada, mais le Canada n'est pas une fin en soi. Même étant ici. Je vais à Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, la capitale.
better with another, if you're better with another, then I will let you go. But if you know, you know that I could make it. For you I'd do anything. Baby, please don't let me go, cause I really want the chance, yeah, to make you feel sour romance, yeah. Ma nebe toke la niye, ma korwe toye la niye. Though I really want the chance, yeah. Cause I know that I could go very far if I were with you, cause you got that special one thing, my shade. Everybody all around you said I cannot do without you. Nobody can explain all this love for you. Oh my baby, c'est nayo nayo that I was falling for you. Ne parlons même pas de ton corps qui tous les jours fait perdre la boue. Oh my baby, c'est nayo nayo that I was talking to you. Now that I'm into it, it's so hard to let it go. If you know you're better with another, if you're better with another, then I will let you go. But if you know that I can make it. For you I do anything, baby, please don't let me go. Yeah, why you? I'm more than a doomsday.